Coucou. Bonjour, regardez ce que j'ai là. Un colis Too Good To Go. J'ai décidé d'en reprendre un malgré le petit incident, enfin le gros incident qu'il y a eu avec la dernière commande. J'ai appréhendé un peu, je vous dois avouer, parce que vu qu'il passe par le même centre de tri de Mondial Relais, mais bon, je me suis dit, bon, on peut quand même pas perdre tous mes colis. Donc, cette fois-ci, tout s'est bien passé. Allez, c'est parti. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors, c'est le colis numéro 34. Donc, nous avons deux fois deux petites briques de soupe veloutées de légumes. Donc, il y en a deux. Donc, quatre petites soupes. Donc, c'est des petites soupes de 30 centilitres. Une sauce pita. Donc, c'est une sauce blanche épicée. Une vinaigrette de la marque Clovis à l'échalote. Une boîte de thé. C'est du thé noir. Grammes de cerneau de noix. De la soupe miso tofu, algues et champignons. C'est des soupes instantanées. Une moutarde de Dijon, toujours de la marque Clovis. Un lait de soja de la marque Alpro. Quatre compotes, enfin c'est de la purée pomme, purée de pommes de la marque Saint-Mamet. Et après, il y a des petites choses. Donc nous avons du caviar d'aubergine. Donc, c'est un petit pot de 90 grammes. Donc, toutes les dates, j'ai regardé toutes les dates, elles sont encore bonnes pour longtemps. Un petit pot de concentré de tomates, de double concentré de tomates. Petit pot de 70 grammes. Un petit paquet de crackers fromage et poivre de la marque Bon Papa. Donc, c'est un tout petit paquet de 40 grammes. Hein. Autant dire qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Deux balistos. Enfin, un sachet avec deux balistos. Et un petit sachet de trucs comme ça, comme des Smarties. Donc, c'est un petit sachet de 45 grammes. Et puis c'est tout. Alors, que dire, que dire? Pour moi, ça, c'est des échantillons. Ça,
Parce que j'ai essayé de calculer, là j'ai payé 19,99 € et je me rappelle plus, il était censé valoir plus de 30 €. Donc j'ai essayé de calculer, il faudrait que tous les produits fassent plus de 3 € pour qu'on arrive au prix soi-disant de départ. Vous allez me dire que ça vaut 3 €. Ça aussi. Même ça, enfin je connais pas cette marque, mais c'est 40 grammes. Franchement, c'est de l'abus. Il y a de l'abus là. C'est abusé. Moi, je suis déçue, hein, même si bah, les soupes, la moutarde, ça, c'est des choses utiles, mais non, ça vaut pas le coup. Moi, franchement, je recommande pas d'acheter les colis tout go. C'est vraiment. Ça vaut pas le coup. Admettons que ça vaut les 19,99 € que j'ai payé. Là, ok. Mais vu qu'on est dans une démarche anti-gaspi, j'aurais dû le payer 10 € en fait, ce colis. Parce qu'il n'y a rien. C'est vraiment des tout petits trucs. Ça vaut rien. Donc, je suis déçue. Et ouais, je commanderai plus à l'avenir. Voilà, donc sur ce, bah, je vous laisse et je vous dis à bientôt.